Madame la ministre de la Culture. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Ah oui, elle est là. Quand est-ce que vous allez décider de sortir de votre silence ? D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Les acteurs ne sont pas des chiens, disait déjà Gérard Philippe, pour dénoncer la précarité dans nos carrières et la faiblesse des droits sociaux. Atteindre de quoi vivre à la retraite est un combat pour beaucoup d'entre nous. Même pour celles et ceux qui ont connu la célébrité. Alors que dire des anonymes ? Que dire des intérimaires ? Que dire des privés d'emploi ? Madame la ministre de la Culture. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Ah oui, elle est là. Quand est-ce que vous allez décider de sortir de votre silence ? Pendant que vos collègues du gouvernement se répandent de mensonges, vous ne dites rien. Pardon, je sais que vous n'avez pas le temps, mais ça va. D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Cette phrase de Gérard Philippe qui a été dite, elle date de 1957. Il n'y avait même pas de ministère de la Culture à l'époque. Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française dans le monde, qui défend le régime de l'intermittence, qui est une fierté pour notre pays. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis. Je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous. Allez. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer ou... C'est bon ?